Je vais vous présenter tous les emplacements de l'une de demi-guises. Mais avant ça, je vais vous donner une astuce. Allez dans vos paramètres. Ensuite, dans les paramètres options du jeu, vous allez dans difficulté et vous allez mettre histoire. Comme ça, quand vous allez tomber sur une serrure, eh ben, vous allez pouvoir l'ouvrir automatiquement. Donc regardez, j'appuie sur carré. Et là, vous allez voir qu'en bas à droite, j'ai résolution automatique. Donc j'appuie une deuxième fois sur carré et ça m'ouvre la serrure tout seul. Donc je vous conseille fortement d'utiliser cette petite option pour cette quête. Donc maintenant, je vous laisse avec le gameplay. Je me demande qui y vit. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors très important, vous ne pouvez les récupérer que pendant la nuit. Donc si vous êtes en plein jour, vous allez sur votre carte et vous appuyez sur R3 pour faire passer le jour. Tu es à moi à présent, demi-guise. Tu es à moi à présent, demi-guise. Dommage que Bardolf ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rookwood n'est pas étranger à ta compagnie. Tu es à moi à présent, demi-guise. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Tu es à moi à présent, demi-guise. Oh, j'adore les énigmes. Je me demande qui y vit. Puis-je vous déranger un moment? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es à moi à présent, demi-guise. Quand vous aurez récupéré 9 lunes de demi-guise, allez parler au personnage Gladwyn Moon pour pouvoir ouvrir les serrures de niveau 2. Allô? Thank you.
Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Tu es à moi à présent, demi-guise. Ah, c'est toujours agréable de voir un visage. Tu es à moi à présent, demi-guise. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar ? Allô ? Préolar, me voilà. Allô ? Qu'est-ce que c'est ? Tu es à moi à présent, demi-guise. Quel plaisir de vous revoir.
Tu es à moi à présent, demi-guise. J'ai toujours dit que voyager ouvre. Tu es à moi à présent, demi-guise.